All rise. Vous levez, levez. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux est ouverte. Please be seated. Le président. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, l'accusé Félicien Kabuga a renoncé à son droit d'assister à son procès. Nous allons donc procéder en son absence. Nous allons entendre ce matin une partie de la déclaration liminaire de la défense. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, presque 30 ans après la tragédie rwandaise, nous devons aux victimes un véritable débat. Nous le leur devons parce que nous pouvons les aider à cerner la vérité. Cette institution a été créée pour saisir la vérité au-delà des clivages, pour la saisir par la confrontation des points de vue, quelle que soit cette vérité. Et c'est toujours par la vérité qu'une véritable réconciliation est possible. Mais la recherche de la vérité exige de regarder en face la réalité. Et la réalité humaine est toujours complexe. Elle demande des efforts pour l'approcher. Elle commande que l'on se défasse de ses a priori et de ses préjugés. C'est une démarche difficile, souvent douloureuse. La recherche de la vérité ne peut s'accommoder de l'à peu près, du flou, du oui-dire, du simplisme. Or, Monsieur le Président, que constatons-nous? Il nous est proposé un narratif schématique, éloigné de toute réalité, ignorant l'humain et sa complexité. Au fil du temps, les accusations contre Félicien Kabuga, d'abord dépeint comme le financier du génocide, ont changé. Mais le procureur n'en a jamais tiré la moindre conséquence dans sa manière de présenter Félicien Kabuga. Ce qui fait qu'il existe aujourd'hui une déconnexion complète entre la nature des accusations et le portrait qui est fait de Félicien Kabuga. Comme s'il fallait à tout prix l'accuser, quelle que soit la nature des accusations. Les accusations contre Félicien Kabuga sont posées les unes à côté des autres, sans logique qui les tienne ensemble, sans éléments factuels solides pour les étayer. Mais un empilement d'accusations ne fait pas un cas. Qu'est-ce qui aurait motivé chez Félicien Kabuga cette frénésie d'action, cette activité incessante dont le seul but, d'après le procureur, aurait été la destruction d'un groupe ethnique? Le procureur ne nous en dit rien.
pourquoi, Félicien Kabouga, homme d'affaires prospère et respecté par tous, Hutu comme Tutsi, se serait-il conduit d'une façon telle qu'il aurait mis en péril toutes ses entreprises et sa famille? Le procureur ne nous le dit pas. Le procureur ne nous donne aucune explication, ne tente à aucun moment de cerner l'homme qui l'accuse. Il se contente de nous étourdir sous une accumulation d'accusations, pour la plupart non ou mal soutenues. Cette absence de curiosité concernant la personnalité de Félicien Kabouga est frappante et révélatrice de la manière dont le dossier d'accusation a été construit. Il s'agissait à l'évidence de réunir à la va-vite des éléments pour créer en quelque sorte une figure de Deus ex machina, de coupable par excellence, dont l'existence permettrait d'expliquer l'inexplicable, de valider la thèse de l'accusation, celle de la préméditation. Autrement dit, un narratif a été construit a posteriori autour du nom de Félicien Kabouga pour faire de ce dernier l'archétype du coupable. Mais l'accusation se trouve confrontée à un problème. Le procureur, pour faire correspondre à la réalité le portrait qu'il tente de dresser de Félicien Kabouga, doit prouver que Félicien Kabouga, pendant des années, n'aurait été mu que par la haine à l'encontre des Tutsis. Or, c'est impossible. Le procureur en est donc réduit à retenir contre Félicien Kabouga le moindre acte de sa vie professionnelle, le plus banal, et à lui donner une interprétation négative. Par exemple, pour lui, la création de la RTLM aurait constitué une étape dans la mise en œuvre du soi-disant complot. Mais c'est parce qu'il s'agit d'une construction a posteriori qu'elle est fragile, puisque fondée sur une interprétation des événements, commandée par un narratif, construit de façon post facto pour satisfaire une approche théorique à charge. Autrement dit, le procureur n'adopte qu'un seul point de vue et n'observe les événements de l'époque que dans cette perspective. Cela signifie qu'il ne laisse aucune place au facteur humain, à la violence gratuite, aux animosités personnelles. Tout doit être rangé dans une case préétablie, dans un plan, dans une organisation, dans une structure. Cela signifie aussi que l'interprétation des événements adoptés par le procureur, puisqu'elle n'est pas l'expression d'une analyse minutieuse et objective des faits, n'exprime jamais la réalité dans sa complexité. Ainsi, la manière dont vous sont présentés les faits et gestes de Félicien Kabouga souffre d'un vice rédhibitoire. Elle ne prend jamais en considération la réalité. Par exemple, le contexte de l'époque, marqué par la guerre qui se déroulait sur le territoire du Rwanda. Félicien Kabouga est un fils de paysan, de cultivateur. Ses parents étaient trop pauvres pour l'envoyer à l'école, et il apprendra de lui-même à lire et à écrire. Il s'élève par son intelligence, surmontant un à un
les obstacles que la vie a placés sur sa route, accompagné sur ce chemin par sa femme, qui venait d'une famille mixte, Hutu et Tutsi. Il commença par commercer du sel, par revendre des vêtements usagés, puis, petit à petit, il étendit ses affaires. La réussite de Félicien Kabuga s'explique par son caractère travailleur, mais aussi par son audace. Il fut le premier à construire un centre commercial. Comment s'étonner alors qu'il fut aussi parmi l'un de ceux qui créèrent la première radio-télévision privée du Rwanda, la RTLM. Plus les activités de Félicien Kabuga prospéraient, plus les notables, les hommes d'affaires importants et les responsables politiques s'intéressaient à lui, et plus il devait répondre à leurs sollicitations. Ceci explique que, le temps passant, logiquement, il est noué des liens d'affaires avec d'autres entrepreneurs et des liens amicaux avec des responsables politiques ou tout ou tout-ci. Signalons d'ailleurs que parmi l'élite du pays, et notamment les hommes d'affaires, se trouvaient de nombreux Tutsis. Les questions humaines sont toujours plus complexes qu'il n'y paraît, et elles ne peuvent en aucune manière être réduites à une perception théorique des choses. Pourtant, c'est ce que fait le procureur, qui simplifie à l'extrême le paysage humain de l'époque et distribue aux protagonistes des rôles en fonction de leur appartenance ethnique. Bien naturellement, Félicien Kabuga, en homme d'affaires avisé, entretenait de bonnes relations avec tous, riches ou pauvres, Hutu ou Tutsi. Vous voyez, plus l'on creuse, plus on approche la réalité, et plus le portrait caricatural de Félicien Kabuga qu'a voulu dresser le procureur s'estompe. Et ceci est vrai aussi lorsque l'on analyse les charges. Le procureur retient contre Félicien Kabuga le fait qu'il ait participé à la création de la RTLM avec 49 autres personnes. Qu'y a-t-il de surprenant au fait qu'un entrepreneur connu soit parmi les créateurs de la première radio-télévision privée du Rwanda? Et il n'était pas le seul. Nombreux ont été les Rwandais, de toutes origines, et parmi eux, des personnes aux revenus très modestes, à acheter des actions de la RTLM. C'était leur contribution à la construction d'un Rwanda plus moderne. En quoi le fait que Félicien Kabuga ait contribué à la création de la RTLM serait-il donc un indice de l'existence d'un complot quelconque? D'autant que la création de la RTLM fut saluée par la plupart des Rwandais. Bien loin d'être une étape dans la préparation d'un génocide, comme le prétend le procureur, la création de la RTLM s'inscrivait en effet dans le processus de démocratisation du pays, lequel s'ouvrait alors au multipartisme. Le succès immédiat de la RTLM s'explique, d'après les témoins de l'époque, par le ton nouveau et libre des animateurs, par la qualité des programmes, que ce soit les émissions de sport, les émissions humoristiques, les émissions d'information, et surtout les émissions musicales, très appréciées des auditeurs. Les émissions étaient plus légères, plus intéressantes, plus proches des intérêts des auditeurs que celles de Radio Rwanda. Bien sûr, l'évolution de la situation, les menaces d'invasion, les tensions de plus en plus perceptibles
à la fin de l'année 1993 et au début de l'année 1994, conduisirent des journalistes dans les médias rwandais à critiquer le gouvernement, à mettre en garde contre les accords d'Arusha et pour certains, à prendre des positions extrêmes. C'était vrai dans tout le spectre politique. Par exemple, sur les ondes de la radio du FPR, particulièrement virulentes. Il arrivait, dans cette période, que des journalistes des deux bords engagent des joutes rhétoriques radiodiffusées. Cela était vrai dans tous les médias du Rwanda, quelle que soit leur sensibilité politique, et vrai aussi à la RTLM. Mais la virulence n'est pas l'équivalent d'un discours de haine. La question de la détermination de ce qu'est un discours de haine ou un discours s'inscrivant dans la préparation d'un génocide ne peut être abordée de façon simpliste et caricaturale. En quoi, par exemple, dénoncer la politique du gouvernement ou les accords d'Arusha pourrait-il être considéré comme criminel alors qu'il ne s'agit que de l'expression d'une position politique? En quoi évoquer une invasion possible d'une armée venant de l'étranger, en l'occurrence le FPR, pourrait-il être considéré comme criminel? Et pourtant, c'est ce qu'avance l'accusation. De telles prises de position seraient criminelles par essence et l'indice de la participation de leur auteur à la préparation du génocide. Et après la mort du président Habyarimana, en quoi appeler, en pleine guerre, à la résistance devant l'avancée de l'armée du FPR, pourrait-il être considéré comme criminel? Et surtout, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en quoi Félicien Kabouga aurait-il été directement concerné par les propos de tel ou tel journaliste? Ces journalistes ne lui demandaient pas l'autorisation de diffuser leur message. Félicien Kabouga n'était pas le rédacteur en chef de la RTLM. Il n'était même pas sur place. Alors le procureur fonde son argument sur le fait que Félicien Kabouga aurait été, je cite, « la plus haute autorité » fin de citation, de la RTLM. Mais une telle formule ne recouvre aucune définition juridique ou factuelle. Qu'est-ce qu'une plus haute autorité? Pour le procureur, le fait que Félicien Kabouga ait été président du comité d'initiative, qui, comme son nom l'indique, avait pour rôle de faire en sorte que la RTLM soit créée, suffit à valider sa thèse. Mais le comité d'initiative n'avait pas pour fonction de gérer la RTLM. Ce n'était qu'une structure provisoire. De toute manière, que Félicien Kabouga ait pu intervenir en qualité de président du comité d'initiative est une chose. Qu'il soit tenu pour responsable des faits et gestes de tous les journalistes de la RTLM en est une autre. Et puis, même si ce comité était considéré comme un conseil d'administration de facto, en quoi cela fonderait-il la responsabilité pénale de Félicien Kabouga? Il était normal de faire fonctionner l'entreprise qu'était la RTLM. Félicien Kabouga n'était pas rédacteur en chef, n'avait pas pour tâche de vérifier ou réécrire les interventions des journalistes. Il n'était pas celui qui décidait de la ligne éditoriale. La RTLM avait sa propre structure journalistique et il n'en faisait pas partie. Devant la tâche difficile de faire reconnaître la responsabilité criminelle de Félicien Kabouga du fait d'émission de radio, le procureur se rabat sur d'autres accusations. Dès la chute de l'avion présidentiel le 6 avril 1994, Félicien Kabouga,
d'affaires se serait métamorphosé du jour au lendemain en chef de guerre, jouant tous les rôles à la fois. Il aurait, en pleine guerre, organisé des collectes de fonds pour acheter des armes et des équipements destinés à l'armée et aux Interahamwe. Ces armes et ces équipements, il les aurait commandés à l'étranger. Il aurait assisté au déchargement des livraisons d'armes. Il aurait supervisé le transport et la distribution des armes. Il aurait expliqué aux militaires et aux Interahamwe l'usage qu'ils devaient en faire. Il serait même allé sur les barrières, encourager ceux qui s'y trouvaient à accélérer les massacres. Ces accusations ne résistent pas à l'analyse. Elles sont incohérentes et contradictoires. Mais nous avons tout le procès pour en discuter et pour en démontrer la faiblesse. Ce dont il convient de parler ici est plus fondamental, plus crucial. Pour parvenir à faire tenir debout son raisonnement, à savoir que Félicien Kabuga n'aurait été mu que par la haine des Tutsis et que toutes ses actions n'auraient visé qu'à éliminer le groupe Tutsi, le procureur est obligé, là aussi, d'interpréter rétroactivement les faits pour qu'ils collent à son narratif. Et alors, il est obligé de tordre le cou à la réalité et de réécrire l'histoire. Par exemple, le procureur affirme que le Fonds de défense nationale aurait été établi en vue de recueillir de l'argent pour soutenir les Interahamwe et l'armée au moment où ils massacraient les Tutsis. En d'autres termes, pour leur permettre de continuer les massacres. Mais le véritable objectif du FDN, indiscutable, était de permettre aux forces armées et aux groupes d'autodéfense civile de pouvoir se défendre contre l'armée du FPR, laquelle avançait dans tout le pays depuis la mort du président Habyarimana, inexorablement, région après région. Le problème, c'est que ce seul constat remet en question le narratif du procureur et la logique qui sous-tend ces accusations. Ne pas dire un mot du contexte historique, ne pas dire un mot de la guerre, c'est faire comme si les massacres avaient eu lieu pour la seule raison qu'ils auraient été programmés. Quel qu'ait été le contexte ? Autrement dit, qu'ils auraient eu lieu de toute manière, puisque cela était, d'après le procureur, l'objectif du FDN. Pourtant, saisir dans quel contexte les massacres ont eu lieu permet d'en comprendre la genèse et surtout la logique, et permet de comprendre que la thèse de l'accusation d'un génocide organisé, pensé, mise en œuvre de manière uniforme à partir d'en haut, n'est pas soutenue par les faits, à l'analyse. Il apparaît que le génocide est fragmenté, constitué d'une myriade d'événements, d'une myriade d'incidents. Immédiatement après la mort du président Habyarimana, le FPR lança son offensive à partir du nord du pays qu'il occupait. Bien équipé, les troupes du FPR progressèrent vers le sud, commettant de nombreuses tueries à l'encontre des populations Hutu.
poussant devant elle des masses de réfugiés hutus. L'apparition de ces réfugiés dans une région signifiait que les troupes du FPR approchaient, et avec elles les tueries, les horreurs que racontaient les réfugiés alimentaient les peurs de la population. Et la peur, la terreur, formaient le terreau d'un génocide spontané, sans structure. C'est là une clé essentielle de compréhension, même si ce n'est pas la seule. Si l'on veut comprendre le processus de déclenchement des massacres, il suffit de regarder chronologiquement la carte des massacres pour constater qu'ils coïncident la plupart du temps avec l'arrivée de réfugiés et précèdent l'avancée du FPR. Évidemment, le gouvernement et les autorités locales tentèrent d'organiser la défense et la question qui se posait aux autorités de façon permanente était de savoir comment équiper l'armée et les groupes d'autodéfense. Pour comprendre véritablement la tragédie dans laquelle a été plongé ce pays pendant des mois, pour saisir la souffrance des victimes, il ne faut pas partir d'idées préconçues. Bien au contraire, il faut se confronter à la réalité telle que l'on peut encore la saisir. C'est par une approche dépourvue de passion et d'a priori que l'on peut rendre aux événements leur complexité et aux protagonistes leur humanité, et que l'on peut honorer la mémoire des victimes. C'est la condition pour pouvoir examiner avec le recul nécessaire chaque incident, en comprendre la logique et déterminer le rôle et la responsabilité de ceux qui y participèrent. Et cela demande que l'on s'intéresse à la genèse des événements, pas que l'on construise a posteriori un narratif taillé sur mesure pour accuser un homme. Et dans ce contexte de guerre, le comportement de Félicien Kabouga prend une autre couleur. Ce n'est plus un chef de guerre, c'est un homme d'affaires pris dans le chaos de son époque. Et c'est ce que nous montrerons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, Dov Jacobs va poursuivre la présentation de la défense. Thank you. Le président, merci, maître Altit. Mr. Jacobs. Maître Jacobs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Juge, ce que le procès va exposer, c'est que l'accusation a construit son cas sur deux piliers fragiles et défaillants. Le premier, que nous venons d'exposer, est celui d'une construction narrative déconnectée de la réalité de ce qu'il s'est déroulé au Rwanda en 1994. L'accusation a posé des postulats et des présupposés qu'elle prend pour acquis et qu'elle ne démontre donc jamais. Ce point de départ factuellement erroné et fragile a pour conséquence que toute la construction narrative de l'accusation s'écroulera comme un effet domino. Et nous pourrons le constater au cours du procès. Le second pilier défaillant de la démarche de l'accusation est celui de la faiblesse de sa preuve. L'accusation, malgré des années d'enquête,
a divulgué à la Défense et présente à la Chambre une preuve indirecte, une preuve composée de oui-dire, une preuve composée d'accusations non corroborées, une preuve dont l'accusation n'a quasiment jamais fait l'effort d'établir l'authenticité et la fiabilité. Et c'est cela que nous allons brièvement illustrer maintenant. Pour commencer, il est un principe cardinal et ancien de toute démonstration juridique, testis unus, testis nullus. Autrement dit, un seul témoin ne suffit pas à démontrer quoi que ce soit, ou un seul élément de preuve. Et ce principe n'est pas nouveau, n'est pas original, n'est pas une révélation, puisqu'il remonte à l'Ancien Testament. Il ne peut y avoir condamnation dans un système respectant l'état de droit et l'équité de la procédure sans que la preuve apportée ne soit corroborée. Et pourtant, ce que le procès mettra en lumière, c'est l'approche extrêmement laxiste de l'accusation concernant la corroboration. Il conviendra de constater que nombre d'allégations de l'accusation ne sont pas corroborées, ce qui soulève de sérieuses questions sur la solidité du cas du procureur. Je ne vais pas multiplier les exemples ici, j'en prends un, significatif. Si on regarde le mémoire de l'accusation, on constate que 395 notes de bas de page, 395, soit la moitié des notes de bas de page de l'accusation. Si on exclut les notes de bas de page où l'accusation ne fait que renvoyer à d'autres sections du mémoire, 395 notes de bas de page ne référencent qu'une seule source, qu'elle soit documentaire ou testimoniale. 395. Qu'est-ce que cela signifie ? Que ces 395 notes de bas de page sont liées à autant d'affirmations dans le mémoire de l'accusation qui ne sont pas corroborées. Presque 400 affirmations non corroborées. C'est énorme. 395 affirmations pour lesquelles l'accusation n'a pu trouver qu'une seule source, malgré des décennies d'enquête. Cette absence de corroboration est évidemment problématique dans un contexte où l'accusation est tenue à un standard élevé et rigoureux de démonstration au-delà de tout doute raisonnable. Afin de respecter la présomption d'innocence, et cela dénote en réalité la faiblesse démonstrative du cas de l'accusation. Alors l'accusation, pour essayer de sauver son dossier, ne manquera pas de vous dire, à un moment ou à un autre, qu'elle n'aurait pas d'obligation légale de corroborer ses allégations. Mais l'accusation ne peut se cacher derrière une absence d'obligation légale pour masquer la faiblesse de sa preuve. L'absence d'une obligation légale ne signifie pas que l'accusation soit déchargée d'avoir à prouver ses allégations au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire d'avoir à corroborer de la façon la plus convaincante possible tout ce qu'elle avance. Car que sont des éléments de preuve non corroborés ? Tout simplement des éléments de preuve qui ont une valeur probante moins forte. Toujours concernant la corroboration, parfois l'accusation avance que des éléments se corroboreraient, mais en réalité, après analyse, il arrive fréquemment qu'il n'y a en réalité aucune corroboration, puisque soit les témoins ou les éléments de preuve ne portent pas sur les mêmes sujets, soit ils se contredisent,
Là encore, nous allons l'illustrer pendant tout le procès. Parfois même, l'accusation affirme que deux témoins se corroboreraient, alors qu'il apparaît que l'un ne fait que relater ce que l'autre lui a dit. Ce qui, à l'évidence, n'est pas une corroboration, puisque dans un tel cas, il n'y a qu'une seule source. Non seulement l'accusation ne fait aucun effort pour corroborer ses allégations, mais lorsqu'on s'intéresse à la preuve, l'on constate fréquemment une déconnexion complète entre les allégations et la preuve apportée. Là encore, nous allons y revenir pendant tout le procès, mais il suffit à ce stade de prendre juste quelques exemples. Le procureur affirme au paragraphe 8 de son mémoire préalable. Je vais passer à l'anglais, je me rends compte que j'ai noté la version anglaise ici. Donc pour les interprètes. Par exemple, même les plus hauts gradés des forces armées rwandaises savaient que les militaires ne pouvaient pas fouiller la maison de Kabuga sans le consentement explicite d'Habyarimana. Fin de citation. En note de bas de page, l'accusation renvoie à une pièce. Pourtant, une simple lecture de ce document montre qu'il ne soutient pas ce qu'affirme l'accusation. Nulle part dans le document, il est indiqué qu'il faudrait le « explicit consent » de Habyarimana pour quoi que ce soit. Et puis si on lit le document, on se rend compte qu'il s'agit d'un document qui n'est pas très clair, daté du 24 février 1993, et le procureur ne l'explique pas. Le document semble porter sur des actions de la lutte contre le ENI, l'ennemi peut-être, qui s'infiltrerait au Rwanda. Dans les circonstances de l'époque, il semblerait qu'il s'agisse de lutter contre les incursions du FPR sur le territoire du Rwanda et ses infiltrations à Kigali. Dans ce contexte, et encore le document n'est pas très clair, mais dans ce contexte, on comprend du document que certains militaires auraient souhaité perquisitionner des propriétés de Félicien Kabuga du fait de son soutien à l'ennemi, ENI, ce qui ne cadre pas du tout avec ce qu'en tire l'accusation. Donc on voit bien ici que sur un exemple, on a une allégation, une pièce qui ne dit pas ce que l'accusation dit et qui dit même le contraire, qui semble aller contre le narratif, contre ce qu'allègue l'accusation. Autre exemple. Au paragraphe 56 à 68 de son mémoire préalable, l'accusation dresse la liste de 13 personnes qui, selon elle, auraient été tuées à la suite de la mention de leur nom à la RTLM. L'accusation, d'ailleurs, hier en audience, en a fait grand cas en prenant quelques exemples. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Juge, à partir du moment où la base du cas de l'accusation sur cette question, c'est d'alléguer un lien causal entre une émission de radio et la mort d'une personne, l'on pourrait s'attendre au minimum, sans être trop exigeant, que l'accusation apporte au moins l'existence, la preuve de l'existence de l'émission de radio en question. Ce n'est pas demander trop. Pourtant, si l'on regarde la preuve présentée par l'accusation au soutien de ces 13 exemples, l'on constate immédiatement que pour 7 exemples sur 13, l'accusation n'apporte la preuve d'aucun enregistrement. Juste des témoignages qui rapportent qu'il y aurait eu des émissions de radio. Et d'ailleurs, l'accusation ne cache pas la faiblesse de cette preuve, puisqu'encore une fois, hier en audience,
L'accusation s'est levée pour dire que nous entendrons le témoin KAB X qui nous dira qu'il a entendu à la radio dire que... Donc de manière claire, l'accusation se contente de rapporter un oui-dire. Construire une démonstration sur la base d'un oui-dire, c'est construire un château de sable qui ne résistera pas au test du débat contradictoire. Pour les autres victimes alléguées, toujours dans cet exemple, même quand l'accusation affirme posséder un enregistrement, on peut aisément voir qu'il est daté parfois de semaines, voire des mois, avant le décès de la personne. Sans que l'accusation ne fasse le moindre effort d'essayer d'identifier un quelconque lien entre l'émission de radio en question et les circonstances du décès de la personne. Parler de causalité dans un tel cas de figure, avec la mention d'une personne à la radio en décembre 93, par exemple, pour un décès allégué en avril 94, c'est vider la notion de causalité de son sens. Pour l'accusation, il semble qu'il suffirait qu'une personne soit mentionnée à la radio, à un moment, qu'importe le moment, pour que le décès de cette personne, à un autre moment, qu'importe le moment, soit causé par l'émission de radio en question. Sans autre forme de démonstration, sur les auteurs allégués des violences, par exemple, qui sont quasiment toujours anonymes. Sans autre forme de démonstration sur le fait de savoir si ces auteurs allégués ont même entendu l'émission de radio ou agi sur cette base. Ce qui là encore semble logique dans la démonstration d'une telle allégation. L'on voit bien ici que le postulat de causalité est évidemment bien pratique pour l'accusation, puisqu'il lui permet de ne rien avoir à démontrer. Mais une telle démarche ne saurait prospérer dans le cadre d'une procédure judiciaire sérieuse. Le laxisme de l'accusation concernant la causalité, notion pourtant clé, encore une fois, dans toute démonstration juridique visant à mettre la visant à mettre en cause la responsabilité d'une personne, se retrouve dans tout le dossier de l'accusation. L'accusation ne démontre jamais de lien logique ou de lien de causalité entre les crimes qui sont reprochés à Félicien Kabouga et le comportement qui lui est imputé. Parce qu'en réalité, il convient de relever ici que sa responsabilité est toujours visée de manière indirecte. Plus précisément, l'accusation ne semble jamais s'intéresser à la légalité des actes imputés à Félicien Kabouga, comme dans le cas de la RTLM, par exemple, ce que nous avons évoqué tout à l'heure. L'accusation semble n'avoir jamais examiné quel aurait pu être l'impact matériel, concret, dans la réalité du comportement imputé à Félicien Kabouga. Là encore, nous pourrions multiplier les exemples, mais je n'en prends que deux. Le fait que Félicien Kabouga serait allé voir, pour le réconforter, un journaliste de la RTLM blessé lors d'une attaque menée par le FPR contre la RTLM, ou que Félicien Kabouga aurait apporté à cette occasion son soutien au journaliste après une telle attaque, ne peut servir à démontrer qu'il aurait activement contribué au crime des journalistes.
Il y a une déconnexion complète entre le comportement allégué et les crimes imputés à Félicien Kabuga. Il y a ici, comme très souvent dans le dossier, un raccourci logique qui ne répond pas aux critères auxquels doit obéir une démonstration juridique. En réalité, parce qu'il ne semble pas disposer des éléments nécessaires pour mettre en cause la responsabilité de Félicien Kabuga, de mettre en cause directement En réalité, parce qu'il ne semble pas disposer des éléments nécessaires pour mettre en cause directement la responsabilité de Félicien Kabuga, le procureur en est réduit à donner un certain nombre de faits une signification accablante qu'ils n'ont pas, sortant ainsi du cadre de ce que devrait être une démonstration, pour entrer dans celui de la spéculation et de l'extrapolation. Toujours dans le sens de cette absence de tentative même de démontrer un lien de causalité, le procureur ne donne jamais aucun élément utile sur l'intention directe des auteurs allégués des crimes invoqués. Là encore, il manque une étape dans la démonstration, puisqu'encore une fois, ce n'est uniquement la responsabilité indirecte de Félicien Kabuga qui est invoquée. De la même manière que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais de lien démontré entre Félicien Kabuga et la RTLM et les émissions sur la RTLM, il n'y a jamais de lien démontré entre les émissions sur la RTLM et les auteurs allégués des faits invoqués par l'accusation. Il n'y a jamais de lien entre les auteurs allégués et les victimes. Aucune étape de la démonstration n'est présentée par l'accusation. Et c'est pareil dans le reste du dossier. Puisque comment est-il possible d'alléguer la responsabilité de Félicien Kabuga comme complice ? Complice. Si nous ne savons rien de l'intention ou des auteurs des actes allégués. Encore une fois, cette absence d'éléments utiles concernant l'intention criminelle des auteurs allégués des crimes est particulièrement problématique lorsqu'il s'agit d'aborder la responsabilité de Félicien Kabuga comme complice. Avant de mettre en cause la responsabilité de Félicien Kabuga, il aurait fallu que le procureur donne tous les éléments utiles qui permettraient de comprendre qui seraient les auteurs principaux des crimes et sur quelle base la responsabilité est engagée. Sans démonstration factuelle et juridique concernant les auteurs principaux allégués des crimes, il ne peut logiquement y avoir de mise en cause de la responsabilité de Félicien Kabuga comme complice. Et ces allégations, comme les autres, doivent logiquement tomber. Comment Félicien Kabuga pourrait-il accuser d'avoir contribué au crime allégué commis par les Interahamwe si l'accusation ne démontre même pas que les victimes alléguées auraient subi les sévices de la part des Interahamwe en question ? Ce que l'accusation ne fait jamais. Elle assume un lien qui ne semble jamais le démontrer. La faiblesse probatoire du cas de l'accusation constitue sûrement la raison pour laquelle l'accusation, depuis le début de la phase de procès, d'avant-procès, multiplie les démarches procédurales qui auraient pour conséquence de rendre le procès opaque et incompréhensible pour le justiciable, puisqu'elle a demandé et obtenu à ce que la moitié de ses témoins ne viennent pas en audience. Ce qui veut dire tout simplement que l'accusation demande à ce que leur déclaration antérieure soit crue sur parole. Pour les témoins qui viendraient,
L'accusation veut que 94% d'entre eux, 94%, ne soient pas soumis à un véritable interrogatoire. L'accusation veut transformer la chambre de première instance en une chambre d'enregistrement. Une chambre d'enregistrement des déclarations antérieures des témoins, sans que ces déclarations ne puissent faire l'objet d'un véritable débat contradictoire en audience. L'accusation veut donc masquer la faiblesse de sa preuve en tenant un procès opaque et impossible à suivre pour les observateurs extérieurs. Un procès où sa preuve serait prise pour argent comptant et ses témoins crus sur parole et échappe au débat contradictoire, à l'abri des regards et dans l'ombre. Mais ces tentatives vaines de l'accusation n'empêcheront pas que la lumière soit faite sur la réalité de son dossier. Une preuve non vérifiée, non authentifiée, non corroborée, criblée de oui-dire invérifié. En un mot, une preuve faible, ne satisfaisant pas aux standards rigoureux d'une justice internationale qui se veut exemplaire. L'accusation a choisi d'aller au procès avec ce dossier bancal et insatisfaisant. Le dossier est bouclé. Il ne s'améliorera plus au cours du procès. Bien au contraire. Il se révélera être au fur et à mesure des débats du vent, bâti sur du vent, qui ne résistera pas aux débats contradictoires. Au final, c'est donc cela le cas de l'accusation. Deux piliers défaillants, l'un narratif, l'autre probatoire, sur lequel il n'est possible de bâtir quoi que ce soit de solide. Deux piliers défaillants, sans lesquels les allégations de l'accusation se révéleront pour ce qu'elles sont. Des supputations non fondées en raison d'une preuve pauvre et non recevable et d'un narratif qui n'a aucune base dans la réalité de ce qu'il s'est réellement passé à cette époque. Au mépris de la vocation mémorielle du mécanisme et avant lui du TPIR, au profit des populations les plus concernées. Deux piliers défaillants sur lesquels il n'est pas possible de bâtir une quelconque démonstration permettant à l'accusation de remplir son obligation d'avoir à démontrer les charges au-delà de tout doute raisonnable. Ce sera à vous, mesdames, messieurs les juges, d'en tirer les conséquences à l'issue du procès dans le respect de la présomption d'innocence de Félicien Kabouga. Je vous remercie. Thank you, Mr. Jacobs. Merci, Monsieur Jacobs. Maître Altit. Thank you very much. Merci. That brings today. Eh bien, maintenant, la séance d'aujourd'hui est donc terminée. Mais je souhaiterais soulever un point avant que nous levions la séance pour de bon, c'est-à-dire pour les audiences de la semaine prochaine, pour les mesures de protection. Il y avait des mesures de protection pour le 9 novembre et le 22 décembre 2021, donc certaines ordonnances ont été données. Ces mesures sont que le témoin doit être identifié par pseudonyme, que les informations pouvant dévoiler son identité doivent rester confidentielles. Et pour être plus explicite, je tiens à dire que ces mesures doivent être comprises
comme étant, comme comprenant aussi la déformation des traits du visage et de la voix lors de témoignages. C'est exactement ce que fait d'ailleurs la chambre d'appel dans l'affaire Bani Ouattara et ce qu'avait décidé le juge unique dans Rabonimpa. C'est-à-dire le processus, le procès d'outrage qui a été, dont a été saisi le mécanisme. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, ces mesures de protection pour les témoins. Et nous allons maintenant lever la séance et nous reprendrons donc le 5 octobre, 10h du matin, un mercredi. Et nous entendrons le témoin de l'accusation 5. Et maintenant, la séance est levée. Merci.